l'enchaînement mardi, trip sur câble. Trip sur table, on cherche l'extérieur du virage en plus. Voilà, Michael Stewart, notre peut-être numéro 34, deuxième, le 737. Alors, t'as dit, troisième, Armin Buscain, le numéro 25, et Grigori Aronda qui n'est pas trop loin non plus. Grigori Aronda qui pointe, sixième pour l'instant, avec le numéro 20. Qui pour l'instant tient bien le rythme avec Marie Buscain qui t'accélère. Regardez Marie, regardez triple. Et hop, ça sent sur table, même complet. Ouais. Alors là, l'enchaînement de fou qui vient de nous faire Marie Buscain. Allez, ça fait triple, top triple. Malcolm sur la table d'arrivée. Stewart, Valentin Thiers, il s'en revient effectivement très vite avec Marvin. Marie Buscain. Après, on est un petit peu plus loin dans cette session, hein, puisque on retrouve à tous ces pilotes. Et c'est un avec le 117. Et Buscain à l'attaque maintenant. Regarde, c'est un petit peu ouvert. Bien sorti de l'enchaînement. Darwin Buscain pour attaquer Valentin. Thiers, 737 sur l'appui juste avant la ligne d'arrivée. Malcolm Stewart, numéro 34. Ça va passer à la terre, et oui, ça passe, bonne passe. Est-ce que Valentin va pouvoir répliquer? Non. Ah, c'est compliqué, hein. C'est vrai qu'il faut rappeler aussi avec son niveau de départ, c'est du 350. On a des 450 à compléter, et match tout, mais voilà, on voit que là, la Quinta de Marie Buscain est toujours là. Allez, triple, ce qu'il va refaire. Oui, double, triple. Alors, on l'a vu une fois, on le sait, hier, cet enchaînement, et là, Buscain. Ah ouais, c'est beau, hein, c'est propre, et je peux vous dire que c'est super technique, il y a très peu de pilotes, Malcolm a pu le faire hier, mais c'est pas le droit de faire. On s'entend la présence de Marvin Buscain juste derrière lui, en tout cas Marvin, il a bouffé du lion, comme on dit. Je le disais hein, tout à l'heure, au moment de la présentation, le sourire, son sourire en disait long, il a les dents longues, parce qu'il aime venir à Genève, il aime se battre aussi. Regarde ce garçon, regarde le sourire, regarde le charisme de ce garçon. J'adore rouler avec lui. Ben voilà, ça c'est en train de s'exprimer sur la piste. C'est très très beau, et on aimerait bien qu'il recolle et il remonte Marvin. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3 minutes 40, c'est un trou. Allez, on veut voir du mano à mano. Hein. Bah, c'est ça, c'est comme ça qu'on aime nous. Je l'aime pour cette acte de démission. Il va essayer d'aller chercher Malcolm. Et peut-être que vous allez pouvoir l'aider. Stewart des États-Unis avec Marvin Buscain, le King of Geneva de la saison passée. Ça passe une bonne fois sur l'enchaînement, il est revenu presque dans la route de Malcolm Stewart. Il nous reste un peu plus de 3 minutes et un tour. Et Genève, la finale avant la finale. Voilà, on va venir notre ami de Buscain. Avenir incroyable, regardez, il est là, il est sans rien dans la roue. Il revient, il faut l'aider. Il faut l'aider, Marvin, il faut l'aider. Regardez là, Buscain comme il crie là avant de prendre la table d'arrivée, mais la vitesse. Et il va en extérieur. Ça va reconnaître, il reste 1m30. Et Oups à la Stewart, et Oups à la Stewart. Oh la mortie. Et la mortie qui sort du pilotage de fou. C'est la sortie, c'est comme ça qu'on les aime. Quelle entrée en matière, extraordinaire. Voilà, comme je disais, cette technique. Là, on a vu très très grand Marvin Buscain, on a vu Marv Attack. Voilà Marvin sur la table. Sur la Marv Attack. Ah ouais, ça c'est bon, tiens. Hein? Ah, j'avais pas. Ah, c'est bien, c'est là. Eh oui. Ah ouais, comme ça on a produit quelque chose. Là. Ah, c'est la folie de Genève. Hein. Quand on est pris comme ça dans le bord, on adore. Et oups. Ça c'est bon, tiens. Ce soir à Genève. Allez, il s'est coupé un petit peu dans les oups. Ça profite à un Malcolm Stewart. Il faut l'aider, Marvin. Allez, on va l'encourager, on commence un passage. Et il y a Malcolm qui est en train de regarder le public au passage, juste en face là-bas, avec Marvin qui revient couler. Il lui reste quelques secondes. On est dans les. Allez, on va dire dans les toutes dernières. Les toutes derniers coups de gaz de cette première manche. On s'y tient.
Et Marvin Gettel qui est en train d'essayer de revenir collé à la Warrior de Walter Stewart. Oh, les amortis sur le camel qui nous fait la moto est manque pas du tout. Ah, c'est superbe, c'est superbe. Du pilotage entre ces deux garçons incroyables. C'est derrière, très bon. Derrière, on a un très bon Greg Arrobas. Il a bien regardé le trip. Également de l'aide sur table. Allez, attention, ça va être compliqué. Sur la table, carrément au pied de la table, il est avec sa très moyenne amortie, il essaie de pousser, il essaie de tenir la cadence à de Valton, à qui repart un petit peu à l'extérieur de Hollywood. Hein. Ouais, il est vraiment à l'appui d'Hollywood, Michael Stewart. Et ça, déjà, on a constaté l'année dernière, c'est un pilote qui adore le Sébastien Pérouse. Et Marvin qui continue cet échauffement de folie. Ah, et on va partir pour un dernier tour. Chute, il a laissé devant, dommage. En tout cas, il est parti, il est à la deuxième place, et on va l'encourager, Malcolm. Allez, Grégoire, on regarde dans sa roue, est-ce que ça va donner des envies aussi à Grégoire Honda d'aller chercher cette deuxième place. Ah, ça va être difficile, on a toujours le pouvoir. Imaginez passer, et par contre, Marvin, regardez Marvin sur son chaînement, et et on va retrouver dans quelques petites secondes l'arrivée de cette quatrième numéro 25, 350 cm de cube. Attention, 3, 2, 1, et Michael, et un bon troisième avec Greg Arrobas.